Bonjour, bonjour et bonsoir. Si tu es d'un bon jour, c'est toi qui sais, tu prends. Si tu es d'un bon soir aussi, tu prends. Comme je l'avais dit, aujourd'hui, on va parler sur la dépigmentation de la peau noire. La peau noire, là. On va parler sur ça. Récemment, quand j'avais fait la publication, j'ai vu que c'est les filles seulement. C'est les filles, elles m'ont attaqué, elles m'ont attaqué. Pourtant, ce n'est pas seulement les filles qui font ça. Ah, maintenant, il y a nos frères. Il y a nos frères qui le font aussi. On va parler là-dessus. Il y a ceux qui m'ont dit que non, c'est seulement ceux qui n'ont jamais fait. C'est eux qui peuvent parler là-dessus. Non, ils ne peuvent pas parler là-dessus parce que ils savent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous comprenez? C'est nous, les anciennes. Tchatcholise, c'est nous, on sait ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Personnellement, moi, je sais ce qu'il y a dedans. Parce que je l'ai fait. Moi, j'ai passé de clair à noir. Il y a ceux qui passent des. Ils sont noirs avant, ils deviennent clairs. Moi, j'étais clair avant. Voilà, c'est ça qui est là. Maintenant, je suis noir. Ma peau est dure, ma peau est noire. Ma peau est sombre, mais je suis fière. Parce que le soleil, même quand le soleil même me tape, le soleil même s'est dit, ah ouais, je suis en train de taper une Africaine. Le soleil même a perdu ma peau. Je vais vous dire d'abord les causes en Afrique. Plus précisément au Niger, à Niamey, chez moi. Je vais vous dire, à Niamey d'abord, en Kangbore poussé, il me dit tout ce quoi, il m'engage pas. Gamana Sarah. Parce que moi, une bonne wana Sarah. Avant. Déjà, les causes, je vais dire. Chance. Digu don donien. Tu vas voir ton ami, elle est claire. Parce que tu sais, la pommade, c'est quelque chose, ça te trahit en fait. Ça te trahit. Parce que c'est maintenant, moi, je suis à quel point je suis vilaine. C'est maintenant, moi, j'ai compris à quel point je suis vilaine. C'est-à-dire, on pense que on est en train de trahir les hommes. Non. On est en train de se trahir nous-mêmes. Parce que moi, avant, quand je mettais la pommade, avant, wallahi, moi, je pensais que j'étais belle. Parce que quand je fais les maquillages, c'est-à-dire quand je me maquille, moi-même, je me regarde, je dis, ah ouais, ma maman, elle a accouché. Déjà, ce n'était pas le cas. Donc, quand tu mets la pommade, c'est bon pour un. Pour les débits, c'est bon, tu es belle, c'est-à-dire, toi-même, tu te plais. Tu vois, toi-même, tu te plais. Et puis, quand tu te maquilles, les gars aussi, tu les plaises et tout, 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 tout. Tu vois, non? Mais à long terme, après, quand tu vas dépasser la quarantaine, cinquantaine, c'est un problème. Vous comprenez? On ne vous juge pas. Hein? On parle seulement, c'est pour vous, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, on parle. Parce que les gens, ils ne parlent pas. Les gens ne parlent pas sur ça. Parce que la personne va dire, ah, moi-même, je l'ai fait. Moi-même, ma soeur fait ça. Non, ma maman, elle fait ça. Non, ma cousine, elle fait ça. Donc, on se tait là-dessus. Moi-même, mes soeurs le font. Mais je vais parler, je m'en bats les reins. Mes soeurs, elles vont m'insulter, mais je m'en bats les reins. Comme je l'avais dit. Donc, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas bon. Pourquoi c'est pas bon? On doit faire une différence. Nous, nous sommes des noirs. C'est pour cela, maintenant, tu vas voir un noir. Quand il dit tout, quand tu la traites de noire, la personne va se fâcher. Parce qu'elle voit qu'elle n'est pas noire. Pourtant, tu es noire dans ton sang. Tu es noire, ton cœur est noir. Tout est noir. Tu es africain, tu viens de l'Afrique. Donc, tu es noire. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, je parle des causes. Les causes, tu vas voir ta copine, elle a fait. Là, ta copine, elle est belle. Tu vois, parce que les hommes, elles aussi, même, il y a une bombe africaine. C'est les hommes-là même qui nous poussent à le faire. Parce que quand tu vois un homme, quand il voit une fille claire, elle est maquillée, elle est bien habillée, et puis une autre fille noire, les gars là, ils courent derrière la fille claire. Donc l'autre noire là, elle se sent frustrée, elle va aller faire, elle aussi. Donc tu vois, tu vas voir ta copine à fille, toi si tu vas vouloir faire. C'est pas bon, ta copine a fait, il faut la laisser, elle va regretter ça un jour, tôt ou tard. Elle va regretter ça. Vous voyez, non? Parce qu'il faut qu'il y ait une différence, il faut que
les gens sachent que vraiment nous, on est des Noirs, on est des Africains. Et puis les Blancs, ils sont à part. Pourquoi Dieu nous a créés Noirs? Parce que nous, on est des Africains, on est des Noirs. C'est pour cela que Dieu nous a créés Noirs. Donc ceux qui sont Blancs, et ils sont Blancs là-bas. Il faut les laisser. Manque de mélanine, il faut les laisser, ils sont là-bas. Nous, on est Noirs. Donc si tout le monde va devenir blanc, blanc, blanche, blanche, il n'y a pas de différence. Dans 10 ans, 20 ans, ils ne vont pas faire la différence entre les Noirs et les Blancs. Il faut qu'il y ait une différence. Ah ouais, tu vas dire, ah ouais, toi tu es noir, négro, tu es noir. C'est-à-dire, c'est notre. C'est-à-dire, ils culturent nous. C'est-à-dire, c'est notre identité, la couleur noire. Nous, les Africains, c'est notre identité. La couleur noire, les gros nez, les fronts frontaux, les gros ventres, c'est notre identité. C'est ça l'Africaine, en fait. Arangofam. Donc, c'est ça qui est là. Il faut laisser. Ceux qui font, on sait, c'est votre argent. Il y a ceux qui m'ont dit que ah, celle que tu aimes plus, ton idole, Oumu Sangaré, elle, c'est comme si elle non Oumu Sangaré. Oumu Sangaré, elle fait tchatcho, elle aussi. Elle a une fois posté ça sur son Instagram. Elle a posté quelque chose de contre la dépigmentation. Elle-même, elle sait que c'est pas bon. C'est que pour elle, c'est trop tard. Mais c'est pas bon. Elle a dosé quand même. Vous comprenez, non? C'est pas parce que j'aime Oumu Sangaré, le fait que je ne peux pas parler. Je vais parler là-dessus. Et sûrement, si Oumu Sangaré me regarde, ce que je souhaite d'ailleurs, elle va m'encourager. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est là. Arrêtez. Ce n'est pas bon. On sait, c'est votre argent. Moi, personnellement, je ne vous envoie pas l'argent pour acheter pommade. Mais arrêtez. Parce que je vais vous dire, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu sais, il y a d'autres qui m'ont dit, ah, c'est parce que tu es à New York, tu es aux États-Unis maintenant, c'est pour cela que tu as arrêté la pommade. Je vais vous dire quelque chose. Hein? Moi, j'ai arrêté la pommade avant même que je sois ici. J'ai arrêté la pommade. J'ai fait 2 mois chez moi, je ne mets pas la pommade. J'ai arrêté. Et puis, je suis venue ici. Il ne faut pas que Moussora ou Mkangay bonzena. Faut rester toi aussi. Et puis, je suis venue ici. Je n'ai pas utilisé. Et je vais vous dire, ceux qui me disent que c'est parce que je suis ici que j'ai arrêté la pommade, parce que le climat est beau. Je vais vous dire la vérité. Le climat, c'est vrai, le climat est beau, mais ce n'est pas le climat qui donne le beau temps. C'est l'eau qui donne le beau temps. Je vais vous dire, l'eau de Niamey est plus, c'est-à-dire, c'est plus bon que l'eau d'ici. Parce que, Kwaro Haro, Agin Titirfuno, Gini Bibandi, Gini Tedang Kolta. C'est ça qui est là. Tous ceux qui viennent en vacances aux États-Unis ou bien qui vivent ici, qui vous envoient les photos pour dire, ah, c'est l'eau. C'est pas l'eau, je vous assure que c'est pas l'eau. C'est pommade elles mettent. Ces pommades, elles utilisent. Ekon, ou bien Ekon ou les chanteurs sénégalais. Il a fait 50 ans aux États-Unis, il est toujours noir. Si l'eau change, il devrait être changé. Donc, vous voyez, non, c'est ça qui est là. Hein, l'eau des États-Unis, ça ne donne pas le beau temps. Ça donne pas le teint. Ça donne pas. Ça te noircit même parce qu'il y a trop de trucs là-dedans. C'est trop salé. Donc, vous voyez, non? Et ceux qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, malgré qu'ils sont là-bas, ils continuent de faire ça. Donc, ce n'est pas parce que je suis venu ici que j'ai arrêté. Non. Il y a ceux qui sont ici, mais ils font ça. Donc, vous voyez, non? Quand tu vas voir, c'est-à-dire ceux qui font en Afrique, qui font ça même, on peut dire que ça se comprend. Et ils sont en Afrique. Mais les Africains qui sont ici, qui sont avec les Blancs, qui sont aux États-Unis, en Europe, partout, wherever ils sont là, qui vont faire pommade là, pour eux là, j'ai jamais compris. Déjà, tu es avec les Blancs. Toi, tu es noir. Il faut, d'office, il faut qu'il y ait une différence. Il va dire, toi, tu es noir, toi, tu es blanc. Toi, tu es avec les Blancs, et puis c'est toi, tu mets pommade pour être quoi? Albinos, Zabiaou. Zabiaou, il faut arrêter ma soeur et mon frère. Parce que maintenant, même les hommes, ils font ça. Donc, vous voyez, non. Maintenant, je vais vous parler des conséquences. Les conséquences, ils sont beaucoup. Hein? Ça reste stérile. Je vais vous dire, la pommade, ça reste stérile. Ça reste stérile. Maintenant, tu vas voir les filles, ils vont se marier des années, elles n'arrivent pas à avoir enfant. Certaines, pas toutes, elles n'arrivent pas à avoir enfant. Personne ne sait au problème où ça vient de l'homme, ça vient de la femme, où personne ne sait pourquoi enfin là ne vient pas. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils sont partis partout. Il n'y a pas. C'est la pommade. Voilà, c'est la pommade qui fait ça. Donc, arrêtez. Arrêtez. D'abord, pour pouvoir arrêter. Moi, j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté, pourquoi j'ai pu arrêter? Parce que j'ai su.
que c'est pas bon. D'abord, pour guérir, il faut accepter ta maladie. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu es malade, il faut d'abord accepter que vraiment tu es malade et que maladie, là, ça vient de Dieu. Comme ça, toi, tu vas guérir. Mais si toi, le malade, tu es couché à l'hôpital, tu refuses de croire que toi, tu es malade, tu ne pourras pas être guéri. Ici, tu es dame, mais. Mais maintenant, toi, tu utilises la pommade. Si tu mets dans ta tête que c'est bon, que ce n'est pas quelque chose de mauvais, tu ne pourras jamais arrêter. Mais quand toi-même, tu mets dans ta tête que vraiment, ce n'est pas bon, tu vas arrêter un jour. Et c'est Dieu qui va faire ton palabre. Parce que moi, j'ai accepté ma maladie. J'ai accepté que la pommade n'était pas bonne. Pour cela que j'étais guérie. Voilà, attends. Je vais boire un peu d'eau. Donc, c'est ça qui est là. Alors, donc, tu vas voir, ça ne prend même pas. Parce qu'à un moment, ça ne prend même pas. Moi, je vais vous dire pour moi. Toi, là, tu vas pas. Ma tête, là, vous n'allez pas voir. Ça, c'est clair, vous n'allez pas voir. Ça, c'est clair. Je ne sais pas attacher, mais tu vas rester comme ça. Donc, là, c'est pas joli. Donc, vous voyez, non? Moi, parce qu'à un moment, ça ne prenait même pas. C'est-à-dire, avec ton argent, tu te dis, c'est ton argent, non? À un moment, ça ne va même pas prendre. C'est-à-dire, tu mets. Non, mais ce n'est pas possible. Il y a des filles, ils mettent Ziriji. Il y a des filles Ziriji. Ils mettent Ziriji dans leur pommade. Pour que ami kurei metkan agiz kusizirin da na gi kurei zirin da yari ami apoyan ajino ni gira ajino moto wakan ga foi kanen yang ga talka foi kanen di inguno igi dangera c'est quoi le projet c'est quoi tu veux être Michael Jackson tu veux être qui dis-moi tu veux être qui tiens-toi ma soeur mon frère tiens-toi tu es noir nous sommes des noirs on est des africains. Ni singite borfu, ni singite Macron, ni singite borkul. Tu es noir, tu restes noir. Et si tu penses que tu vas faire pour que au-delà, Dieu ne va pas te reconnaître, il te reconnaîtra. Il te reconnaîtra. Donc, arrêtez la pommade. Tu vas voir un moment, ça ne te prend même pas. Ici, là, ils sont noirs, noirs. Parce que moi, un moment, là, mais ici, là, même, ça ne prend même pas. Il n'y a même pas. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas fait. Ici, là, c'est noir. Ici, là, ils sont noirs, noirs. Mes pieds, là, sont noirs. On dirait que mon visage, c'est mon visage seulement qui est en Europe. Et puis, mes pieds, là, j'ai laissé ça en Afrique. Parce qu'avant, là, ça m'a pris. Ça dit, moi, la pommade, ça m'a eu, mais je l'ai eu au retour. Ça dit, au début, quand j'ai commencé, les gens, ils me connaissent à Niamey. Ils me voient dans les mariages. Ils pensent que j'étais claire, j'étais pas noire comme ça avant. Ça dit, la pommade, ça m'a pris. Quand j'ai commencé, ça m'a pris avec force. Ça dit, partout, mon corps là était clair. Jusqu'à ma maman, même elle a honte quand je pars, quand je sors avec elle. Elle ne veut pas que les gens sachent que voilà, c'est sa fille qui est là. Parce qu'ils savent que j'étais noire. Ça m'a pris avec force et précipitation. Mais après, quand ça m'a laissé, astaghfirullah. C'est-à-dire, parce que ça ne prenait pas. Je change pommade, ça. J'ai dit, ah, peut-être que pommade là, c'est pas cher. C'est pour cela. Après, j'achète pommade chère. C'est-à-dire, non, pommade, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que, c'est-à-dire, on souffre. C'est que quand on utilise la pommade là, c'est-à-dire, on souffre. Surtout quand j'étais en Afrique. Ceux qui sont en Afrique là. C'est-à-dire, la chaleur, quand il fait chaud, comment là, il fait chaud. Pommade là, tu vas mettre la nuit pour dormir. Surtout quand il n'y a pas de climatisation. Moi, j'ai souffert parce qu'avant, je n'avais pas de climatisation chez moi. Donc, vous savez, tout le monde sait que venti, là, ça rend aigri. De toute façon, ça tourne, tourne là. C'est ça tourne ton cœur, la ventilation. Donc, tu vois, non? Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Niamey, tout le monde connaît affaire de coupir. Et puis, quelle qu'en soit la chaleur, coupir, la pommade, là, tu vas mettre avant de dormir. Moi, c'est les nuits seulement, je mets pommade pour dormir. Et puis tu mets, nous sommes bien, nous sommes gand, nous sommes gay, nous sommes gay, nous sommes gay, nous sommes gay, nous. Ça là, c'est souffrance. Ça là, c'est souffrance mentale, physique et puis financière. Parce que des fois, moi, des fois, il n'y a même pas l'argent. Il n'y a même pas l'argent pour acheter pommade là. Tu vas demander ta maman, il faut me donner l'argent pour que je vais acheter pommade, après je vais te payer. Ou bien tu vas dire, tu vas aller prendre crédit avec ton vendeur de pommade là. C'est pas bon. C'est pas bon. On souffre. Arrêtez. Je vais vous dire pourquoi les gens qui sont en Afrique, plus précisément à Niamey,
Pourquoi c'est pas facile d'arrêter la pommade? Je vais vous dire, les filles, je vais vous donner une astuce. Pourquoi c'est pas facile? Vous allez m'insulter, mais wallah, je m'en bats les reins. Vous pouvez m'insulter maintenant, je suis habituée aux insultes. Donc, ça mousse comme ça. C'est pour cela même que je ne grossis pas. C'est bon pour moi. Les gens m'insultent trop. Jusqu'à maintenant, j'arrive même pas à grossir. Pourtant, je mange. J'ai d'abord, je mange comme une vraie Africaine. Donc, vous voyez, non? Je vais vous dire en Afrique pourquoi ce n'est pas facile d'arrêter la pommade. C'est là à cause de la société. Surtout à Niamey, c'est la société qui nous empêche d'arrêter la pommade. Parce que chez nous, chez moi, au Niger, à Niamey, on te juge à travers ta couleur de peau, à travers ton poids. Qu'est-ce que je vais dire par là? À Niamey, précisément, quand tu es clair, tout le monde se dit que ah, ça marche pour toi. Tu es clair, c'est-à-dire, des fois, tu manges même pas, mais pour eux, quand tu es clair, Dieu ne sait pourquoi, Dieu goûte, les tchatchos, ça passe pour eux là. Ça marche. Dit Dieu, ni wa gote filan, ni wa gote ni se farisir, moi se kraim, di fondu non go tous. Pour eux, ça marche pour toi. Parce que tu es clair. Pour Anyamé, ça marche pour toi parce que tu n'es pas maigre comme nous. Nous autres là, on dit qu'on est malade. Vous comprenez? Donc, Anyamé, c'est difficile d'arrêter la pommade à cause de la société. S'il vous plaît, occupez-vous de ceux qui vous regardent. Il y a un miroir chez tout le monde. La personne est claire, elle est noire, elle le sait. Il y a un miroir chez eux. La personne est mince, elle a grossi. Wallah, elle le sait. Arrêtez de stresser les gens. À cause de vous, les gens ne peuvent même pas arrêter la pommade. Parce que moi, combien de fois j'ai voulu arrêter, les gens m'ont découragé. Quand elle me voit dans les mariages, Aïcha, si tu sais, Aïcha, ni bifa, il faut nous aider, d'un goût, d'un goût, d'un goût, agaranguna. Agaranguna. Donc, quand tu n'es même pas, toi-même, quand tu n'es pas sûr de toi, et puis tu commences encore. Moi, combien de fois j'ai voulu arrêter? Quand les gens me voient, ah, Nebi, ah, Mary, je suis vilaine, j'ai un front frontal, j'ai un gros nez, je suis vilaine, je suis fière d'être vilaine. Arrêtez. Arrêtez, les gens, ils vont arrêter la pommade. Vous comprenez, non? À Niamey, on te juge. Donc, maintenant, quand tu es clair pour Ego Tense, quand tu es noir, hey, ma sœur, fallait pas. C'est ça le foutu problème. Donc, dès que tu es noir, tu pars à un mariage seulement, ils vont commencer à parler. Et tu as vu Aïcha, elle a noirci, a sigitassé, embarrassé d'arosu, a bouaga, ou elle a souci nassé, ou elle goumenaga, a garanguna. A souborkouguna. Sûrement, moi, je sais qu'il y a beaucoup de filles à Niamey qui veulent arrêter la pommade. Mais elle. Isihinganan. Parce que Ichele Societa, Ichele Gidigi, ne borase abi, ameri, asigitase, agaran gunda sigite borase. Kagote borase, man aginu guna, asaran guna. Occupez-vous de ceux qui vous regardent, s'il vous plaît. Et laissez vivre les gens. Ben, faut les laisser. Si la personne veut maigrir, faut laisser la personne va faire son régime. Soit ici, sidanaga, dorifonaga, hepatite naga, et gendifonon kar, et awon wen wen la, dira orano adouane, agaran guna. Il faut laisser les gens, ils vont vivre en paix. Vous comprenez? Non? Moi, je sais à Niamey, c'est pas que il y a d'autres, c'est pas qu'ils aiment. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils savent que la pommade, là, c'est pas bon. À la longue, c'est pas bon pour eux. Mais à cause de la société, dit Tchèle, ici, il gagne. Il croit, je vous en supplie, ou non. Faut laisser les gens, ils vont arrêter la pommade. Faut laisser les gens, ils vont arrêter la pommade. C'est pas la pommade, c'est pas la couleur qui prouve que ça marche pour toi. C'est pas parce que tu es clair que ça marche pour toi. Tu peux être clair. Parce que dit tout ce qu'on jamais à ce dire. Tu peux être clair, bien que ça marche pas, ça va pas. À Gogbunga, des fois, il y a des noix, même pour acheter ton parfum, c'est un problème. Mais quand tu es clair pour eux, ça va. Quand tu es noir pour eux, ça va pas. Faut laisser les gens là, ils vont. Désolé. Ils vont laisser pommade là. Désolé. Ils vont laisser pour mal. À cause de vous, on peut pas vivre. S'il vous plaît. C'est un appel que je fais. Je ne sais pas dans les autres pays africains, mais chez moi seulement à Niamey. Wallah, c'est comme ça. On te juge. Quand tu es clair, ça va pour toi. Quand tu es noir, ça ne va pas pour toi. Donc en même temps, tu es découragé. Moi-même, avant, quand les gens me voient, Aïcha Nbi, Aïcha Sik, ça, il faut. Aïne, hé, il borise. Ni Adei. Je n'étais pas sûre jusqu'à j'ai recommencé la pommade encore. Mais maintenant, I want to
il faut négocier dernier bois décision qu'ils sont mais chinga même chez moi m'insulte me dit ah mais rigoule en quelle gima ni si mal coulou ah ni si mal coulou la pommade là je vais arrêter cette fois-ci seulement moi je veux pas le faire. Donc, j'ai pris mes vacances, j'étais au Sénégal, j'ai fait un mois au Sénégal. Et ils sont tous noirs là-bas. Mes frères et sœurs sénégalais, ils sont tous noirs. Donc, quand ils vont me voir, ils ne me connaissaient pas avant. Que je suis noire seulement pour eux, c'est que c'est normal que je sois noire. Donc, vous voyez, j'ai fait un mois au Sénégal, je suis venue à Niamey, j'ai fait un mois. Les Tanké, Niamey, Zaïg, Aïbi, j'ai pris mon avion, je suis venue ici. Maintenant, je suis fière. Et je vais vous dire la peau noire. C'est-à-dire, il n'y a pas son deux. C'est-à-dire, quand tu es noir, quand ta peau est dure, ta peau est sombre, toi-même, ah ouais, c'est ça, tu es ça, africain. Tu es ça, africain. Mais des fois, tu es même clair. Tu es dans les blancs. Ils ne savent même pas, tu es noir américain ou tu es métisse, tu es quoi. Pourtant, tu es noir, ma soeur, mon frère, tu es noir. Ton cœur est noir. Ta peau est noire, tu es africain. Voilà. Donc, c'est ça. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Arrêtez la pommade. Wallahi, c'est pas bon. C'est pas bon. On va m'insulter, mais wallahi, je m'en bats les reins. On va parler quand même. On va parler. C'est-à-dire, regarde, il y a. Tu te fatigues financièrement, moralement, physiquement. Vous voyez, non? Donc, tous ceux qui veulent arrêter, arrêtez. N'écoutez pas vos amis. N'écoutez pas la société qui vont dire tu as noirci. Si la personne dit que tu as noirci, ça ne va pas pour toi. Il faut lui dire de te donner des millions. Comme ça va commencer à aller pour toi. La personne va te laisser tranquille. Attends, je vais commencer à lire vos commentaires. Donc, c'est ça qui est là. Malheureusement, les gens accordent plus d'importance au paraître qu'à l'être. Anya, mais triste vraiment. Conseil, si tu veux avancer, ne sois jamais conformiste. C'est vraiment un fléau qui nécessite toutes les sensibilisations possibles. Non seulement les filles qui font ça nuisent à leur propre santé, mais aussi elles dérangent les honnêtes citoyens. Prenez, avec mes petits yeux là, même je vois pas. Prenez l'exemple d'une fille élève qui en classe est assise avec deux autres camarades sur la même table, peu importe que ça soit garçon ou fille, l'odeur dérangea tous les voisins de la classe, surtout en avril. Avril là, c'est autre chose. Quand il fait très chaud, c'est aussi une façon de dire qu'on n'est pas fier de la couleur que Dieu leur a donnée. Qu'Allah les guide. Amin ya Rabbi. Vraiment, Aïcha, bah, faut parler, tu as raison. La vérité, intéressant le sujet, courage. En tout cas, il y a ceux qui vont, qui seront pas. Tu as tout à fait raison. Tu as. Hey. Moi-même, je vois pas bien. Mais Dieu là-même, je vois pas bien. Là, je vois pas bien. Donc, comme l'autre l'a su bien dit, l'odeur là, ça dépend. C'est pas tout le monde qui dégage les odeurs. Vous aussi. Vous, dès qu'on vous parle de pommade, vous parlez de l'odeur. L'odeur, je vais vous dire peut-être ce qui fait l'odeur là. L'odeur là, peut-être c'est ceux qui utilisent la pommade la journée. Déjà, quand il fait chaud, tu utilises la pommade. Il y a des pommades, c'est vrai, il y a des pommades qui sentent. C'est pas des fois c'est pas que c'est moins cher ou bien c'est pas parce que c'est cher que ça doit pas que ça sent pas ou bien que ça sent. Des fois c'est l'odeur, ça dépend des ingrédients qu'ils ont mis là-dedans. Donc vous voyez non. Des fois c'est ceux qui mettent la pommade là la journée. Moi généralement, moi personnellement quand je le faisais, je mettais pas la pommade. La journée je mets pas, la journée je mets Vaseline, je sors. C'est la nuit où il fait chaud, tout le monde dort. À ce moment-là, je me réveille pour me frotter. Donc, c'est ça qui est là. En grosso modo, c'est ça qui est là. On va parler quand même. On va parler. Même si ça va vous faire mal, on va parler. Je suis désolée, mais on va parler. C'est pas bon pour vous. Vous dérangez la société, comme il l'a dit. La société, les citoyens, la population, tout le monde, la nation, vous dérangez la nation. Ceux qui sentent, je parle de ceux qui sentent. Wallahi, arrêtez de sentir, c'est pas bon. On est en 2018, tout le monde doit arrêter de sentir. C'est pas bon. Si tu dois sentir, tu dois sentir bon, pas mauvais. Donc, vraiment, mes sœurs et frères, arrêtez la pommade. Il faut être fier de ta peau. Vous comprenez, non? Il faut être fier de ta peau. Et puis, n'écoute pas les autres là qui vous jugent par l'apparence. Donc,
Si tu veux arrêter, tu arrêtes. C'est Dieu qui va faire ton palabre. C'est vrai, c'est dur. Tu vas penser que quand tu vas arrêter, tu vas être vilaine. C'est vrai. Wallah, tu vas être vilaine. Parce que maintenant, moi, je suis vilaine. Avant, moi, je pensais que j'étais belle. Mais maintenant, j'ai compris que moi, je m'ai trompée. C'est maintenant, j'ai compris que je suis vraiment vilaine. Mais ce n'est pas grave. Ça va aller un jour. Quand je serai riche, les gens, ils ne vont même pas oser me dire que je suis vilaine. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, vous comprenez, non? C'est vrai, ça va prendre du temps. À un moment, quand tu vas arrêter, tu vas voir que tu es vilaine, que ça va pas, ta peau. C'est ça, moi-même, je l'ai vécu, même ici. Même ici, mes amis, là, ils m'insultent. C'est Maïcha, Nourlaï, ça veut dire, à un moment, moi-même, je pensais que je ne me lave pas. Tellement mon teint, ça va pas. C'est la pommade. Quand tu vas arrêter, tes nez, là, ici, là. Ça commence à te gratter, ça commence à te faire mal. Tes oreilles là, je vais vous dire, tes oreilles là commencent à te faire mal. Ici là, commence à te gratter, gratter. Dès que tu recommences la pommade, ça va finir. Moi là, moi, j'ai jamais compris qu'est-ce qui fait ça. Qu'est-ce qui fait ça? Quand tu arrêtes la pommade, c'est ici qui te gratte. Ici, ici là, ça te fait mal, mal même. Tu vois, non? Tout ça là, ça va passer. Moi, pour moi, est passé. Ça va passer. Un jour, ça va passer. Vous comprenez, non? Ça va passer. Ça va prendre du temps. Voilà, moi, j'ai arrêté il y a bientôt 2 ans, mais jusqu'à là, j'ai pas le teint que je voulais. Mais ça va aller. Ça va aller. Je ne vais pas me décourager. Même jusqu'à là, les gens me disent, ah, il faut faire, il faut mettre, tu es noir, tu es quoi, quoi, quoi. Parce que, je vous dis, l'eau de New York, ça rend pas propre. Ça te salue même. Ça te salue. Donc, c'est ça qui est là. Voilà. Salut ici, salut ici. Donc voilà, je pense que le message est passé. Je pense que c'est l'eau qui lave, l'argent rend propre. Exactement. Dis-leur aussi que les blancs cherchent souvent à avoir notre couleur. Il y a des gens qui payent des millions pour aller se bronzer au soleil. Je t'assure. Et ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Même hier seulement au boulot, je disais à un gars qu'il n'a qu'à aller attendre 10 ans pour voir un noir. Il faut qu'il paye. Je leur dis, regarde, ma peau noire là, c'est pas à la portée de n'importe qui. J'ai dit, dans 10 ans, tu dois payer pour voir un noir. Je leur dis, dans 10 ans, moi là, tu vas me payer pour pouvoir me voir parce que je suis noire, ma peau est dure, ma peau est sombre. C'est ici, tu vas. Ça veut dire que c'est quand tu es avec les blancs que tu sauras que vraiment la peau noire a de l'importance. Je t'assure, si tu les vois, quand ils nous voient comme ça. Si tu les vois comment ils nous apprécient. Oh, I like your skin. Vois là-bas que c'est anglais manqué, mais ça va aller. Ça va aller, on va parler quand même. Tu vois, non? Adam Asseid, bonsoir, grande sœur. Donc, vous voyez, non? C'est ça qui est là. Arrêtez la pommade. C'est pas bon pour la santé, pour votre argent même, c'est pas bon. C'est fatigant. On est fatigué par les fatigments qui nous fatiguent. C'est fatigant. Arrêtez la pommade. On va avancer. Donc voilà, c'est ça qui est là. Arrêtez la pommade, s'il vous plaît. C'est pas bon pour votre. C'est pour votre. Ça veut dire c'est pour votre bien. C'est pour vous. Nous déjà on a arrêté. Donc c'est pour vous. Salut ma sœur Zelika. Aïe. C'est qui est Zelika? Moi mon nom c'est pas Zelika. Donc c'est ça qui est là. Arrêtez la pommade et puis Dieu va faire votre palabre un jour. Et voilà, moi, je ne vois pas bien. Donc, je pense que le message sera passé. Vous pouvez m'insulter après, mais je me bats les reins, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, ça va m'aider à maigrir les insultes. Donc, c'est ça qui est là. Merci, 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 merci à toutes et à tous ceux qui me soutiennent. Je vous dis merci. Ceux qui ne le font pas, j'ai des petits yeux, mais je vous vois tous. Un jour, Dieu va faire mon palabre. Et puis, merci beaucoup. Aïcha, est-ce qu'elles peuvent arrêter? Est-ce qu'elles peuvent? Elles peuvent! Ça veut dire. Ça veut dire, c'est quelque chose. C'est quelque chose que c'est. C'est quelque chose. Il faut juste être courageux. Parce que c'est pas facile. Moi, je comprends. C'est pas facile d'arrêter. Parce que vraiment, la société est là et puis toi-même, tu te vois que tu es vilaine et puis c'est pas la même chose et tout, 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 tout. Nouveau femme. Ils n'ont qu'à arrêter, ils n'ont qu'à essayer et puis ça va aller.
C'est un homme de la... What? Dépigmentation, les gratter. Gratuit. À moi, je suis claire, mais... Donc, vous voyez, ça veut dire la peau noire, c'est bon. Ça veut dire la peau noire, ça vieillit pas vite. Armand femme. Ça veut dire même ceux qui sont clairs de nature même. Et ils vieillissent plus que ceux qui sont... Ils vieillissent rapidement plus que la peau noire. Ça veut dire quand ta peau est noire, ne se targue zénou. Moi, quand on me voit, les gens me disent, oh, how old are you? You look so young. I go to Bumbo, les gens me disent qu'I look so young. Que j'ai d'un gré mon taux âge pour qu'elle me voit quoi. Elle me dit, non, I'm not young, I'm old. And they have gray hair, cheveux blancs. Ça, c'est pour les soucis. Donc, vous voyez, non. Là, quand ta peau est noire, ça veut dire, ne se targue zénou. Tu vis bien, tu es fière. Moi, maintenant, je suis fière même. Ici, j'ai rencontré des filles dans les trains, dans les bus. Ils me regardent bizarrement. Ceux qui ont fait les tchatchos, là, les Africains, là, qui ont fait les tchatchos. Généralement, les Nigériens qui sont ici, ils font pas ça trop. Mais les autres pays, c'est autre chose. Vous voyez, non? Quand je les croise dans les trains, dans les bus, et puis ils me regardent bizarrement, j'ai dit, oh, ma sœur, je t'ai envoyé. Moi, que tu vois là, je t'ai envoyé d'aller faire pommade, tchatcho. Tu es jalouse à cause de ma peau noire. Pourquoi? Tu es jalouse, pourquoi? Je suis désolée pour toi. Il faut arrêter toi aussi si tu veux avoir même teint que moi. Ceux qui disent que c'est leur choix. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Mais n'oublions pas que tu ne vis pas seul dans la vie, dans le monde. Tu dois tenir compte de la société. Tu dois tenir compte des gens qui vivent avec toi. Que si on doit dire la vie, c'est un choix, tu vas faire tout ce que tu veux. Ah, mon frère, moi, il y a des choses que je vais faire, mais je ne pouvais pas faire à cause de la société. Parce que tu dois tenir compte des autres. Tu ne vis pas seul dans le monde. Donc, la vie, c'est un choix. Il faut faire les bons choix. C'est vrai, on ne vous donne pas votre argent. On ne vous donne pas l'argent pour acheter la pommade. C'est votre propre argent. Mais quand on parle, c'est pour vous. C'est pour vous. Parce qu'il y a des conséquences graves. Il faut demander à un dermatologue. Ils vont vous expliquer. Ou bien à l'hôpital, il faut aller voir là où ils sont. Vous allez voir directement. Allah, ils ont une question là. Parce que c'est pas pour tout le monde que ça prend. C'est pas tout le monde que ça prend. Donc arrêtez, arrêtez. Il y a ceux qui m'ont dit que ah, de ne pas parler parce que j'ai des fans. La plupart des fans, ils mettent la pommade. Ils vont se. Ah, mes fans oh, qui mettent la pommade, je suis désolée. Quand je parle là, c'est pour vous. Si c'est parce que je parle, vous allez vous désabonner. Je suis désolée. Moi, je ne vous ai pas chassé. Donc, c'est ça quoi. La voix est libre. Pardon, ma sœur, fais un résumé rapide en zerma. Je suis avec une parent qui veut comprendre. C'est une ancienne pomadaise. Quelle ancienne pomadaise? Il faut lui expliquer. Dis au garçon aussi que la couleur claire ne fait pas la beauté. Eh, voilà, je ne vois pas bien. Oh my God. Que la couleur claire ne fait pas la beauté, tout comme l'habit ne fait pas les moines. Ça dit, eh, ils n'ont pas compris. Voilà, ils n'ont pas compris. Ça dit, les garçons, c'est eux-mêmes qui. Ils sont frustrés, quoi. Quand ils voient que tu es clair, tu es avec une autre qui est noire, là. C'est pour cela, clair. Ils prennent, ils nous laissent. Mais ce n'est pas grave. Dieu va faire notre palabre un jour. Donc, c'est ça qui est là. Je pense que je ne vais pas être assez long. J'ai été assez long. Ceux qui vont venir après vont pouvoir regarder la vidéo et puis ils vont m'insulter, mais c'est pas grave, je m'en bats les reins comme je l'avais dit. Ça va aller un jour, ça va m'aider à maigrir. Donc c'est ça qui est là. Merci à toutes et à tous et puis que Dieu nous bénisse. Il comme dit. Voilà, elle saura que tu lui parles directement, que tu parles directement à elle. Yeah. Donc il comme dit quoi. Et puis un jour ça va aller. Inch'Allah. Merci à toutes et à tous. Bye.